toi, t'as une perruque. Les moulines. Quoi ? Doucement, doucement. Et ton l'or, tu as ici, et non pas plus dans ta cave. Non, sinon, tu vas la catastrophe. Oui ? Voilà, ça, c'est bon. Ici, c'est un mouillage. Et le port, il y en était eu question à un moment donné, mais c'est tombé à l'eau depuis longtemps, ça, pour l'instant du moins. Hein. Alors c'est comme ça que vous êtes venu à la pêche au bar? Bien, la pêche au bar, ça s'est passé plutôt bizarrement. On pêchait le maquereau surtout. Hein. Et puis on pêchait le maquereau avec à la traîne. On coulait des plombs dans des ampoules de 100 watts hein, et on pêchait donc à la traîne avec ça, avec un grand corps de ligne et puis un clipot sur lequel était installé un bas de ligne avec une cuillère au bout et on traînait un peu partout quoi. Et on prenait du maquereau et des fois il y avait un bar qui se prenait dessus et petit à petit on s'est amélioré et on a diversifié nos pêches. C'est bon, je vais choper les deux, tu me les amènes. Hein. D'ailleurs, deux c'est beau. Hein. Ah ouais, vas-y, tiens. Je vais choper celui-là. C'est bon, j'en ai un. Joli, attends. Tu me chopes le mien? Non, je veux. Ouais, toi, tu me l'amènes devant, je te le chope. On voit. Il est pas mal aussi. Non, mais emmène-le. Je vais pas prendre ta canne avec. Voilà. C'est le naturel quand même. Joli. Doublé. Impeccable. Je vais le bloquer là. Des pics. Ils sont juste à côté là sur une chasse de mouettes. Donc toute petite menuise de 5-6 cm. Et là on risque encore de faire 2-3 doublés hein, sans aucun souci. Ça suit encore d'ailleurs. Je vais avoir un bout d'algue sur le leurre. Hop là, ça y est. Oh voilà. Ça l'a pas dérangé. Hein. Pas très gros. Hop, la suivez aussi sur le cas. Héritier du savoir-faire de la famille, Philippe s'est fait reconnaître comme un grand spécialiste de la pêche au bar. En attendant la marée et l'ouverture des portes du port de Carteret, qui n'ont plus aucun secret pour lui, il nous livre son savoir. Son terrain d'élection se trouve aux îles des Écréoux, quelque part entre Jersey et la côte normande. Donc là, on va monter un petit émerillon, hein, de façon à pouvoir changer de leurre relativement souvent, en fonction de l'envie de mort du bar. Hein. Donc petit émerillon. Et le nœud est très important, de façon à ne pas user le fil. Un nœud tout simple, un nœud du pendu. Avant de resserrer le nœud sur le fil, toujours mettre un peu de salive, de façon à ce que le fil ne chauffe pas et ne perde pas de son efficacité, de sa puissance. Hein.
Voilà, tout doucement. Et là, on a vraiment un nœud efficace. Plusieurs choix de leurre. Premier petit leurre, donc leurre à bille, avec beaucoup d'éclat. Ce sont des leurres qui plongent à 80 cm, 1 mètre de profondeur. Deuxième solution, leurre de surface. Donc c'est une nouvelle génération de leurre qui arrive en France depuis quelques années, qui est connue déjà depuis de nombreuses années aux États-Unis, mais qui commence à faire des ravages en France. Donc des petits leurres qui font à peu près 28 grammes, qui sont très très aérodynamiques, équipés de 3 hameçons, très très piquants, et les résultats sont fantastiques. Un peu plus de fond, 1m50, 2 mètres d'eau. Là, j'opte pour un leurre à action plongeante. Donc un leurre qui va être plongé à 2 mètres avec une spatule en inox beaucoup plus grande de façon à pouvoir, suivant la vitesse de récupération, faire descendre le leurre beaucoup plus profond. Donc là, une autre petite chose. Ça fait à peu près, on va dire, 2-3 ans que je pêche avec en mer et les résultats commencent à se faire sentir vraiment régulièrement. C'est le spinnerbait. Donc leurre pareil, leurre dérivé de la rivière, qui à la base était fait pour pêcher le black bass aux États-Unis. Donc constitué d'un hameçon, gros hameçon simple, une tête plombée, une armature en inox, et deux cuillères qui émettent un signal d'appel, qui tournent vraiment très 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 vite. La cuillère tourne tellement vite que le carnassier n'a pas le temps d'axer son attaque sur la cuillère et axe son attaque sur l'hameçon. Alors pour pouvoir pêcher le bar avec ce genre de leurre, un matériel adapté est vraiment indispensable. Des cannes de 3,30 m, 3 mètres sont bien, sont vraiment adaptées. Et l'idéal, c'est vraiment d'avoir une canne de 2,70 m. On peut pêcher, vraiment manipuler le leurre jusqu'à la coque sans difficulté. On peut vraiment animer les leurres avec beaucoup de précision. Il arrive. Magnifique. Là, ça fait bien un bon petit kilo aussi. Hein. Si les mots aujourd'hui, c'est le même gabarit. Hein. Spinnerbait, hein. Petite cuillère ondulante. Beau poisson. On va le remettre à l'eau, gentiment. On va le laisser grossir. Ouais. Puis c'est sauté là-bas? Tu ne vas pas pêcher. Non. Non. Merde, regarde ce qui va sortir. Mais c'est que c'est une carpe rouge? Ouais. Je crois que c'est un mérou. Non. Non? Une carpe rouge? Regarde. C'est quoi des mérous? Eh bien d'ailleurs tu vas pouvoir le voir. Ça c'est un peu comme des vieilles hein, en France, quand on va pêcher aux écrèves. Mais c'est beaucoup plus gros. Puis c'est tout rouge, ça a des grosses dents. Il va le voir, tu vois, il ramène. Ah, t'as vu, on pêche ça comme le bar. De la même façon, sauf que c'est beaucoup plus gros. Merci. C'est vous qui entraînez Philippe dans toutes ses aventures aux quatre coins du monde ou c'est lui qui vous emmène? C'est lui qui m'emmène maintenant. Disons que moi, il a commencé à faire du bateau, je l'ai emmené. Moi, j'ai plutôt la passion du bateau quand je suis venu ici. Et la pêche est venue après. Donc lorsque j'ai eu mes bateaux, il a toujours profité des bateaux. Donc je l'ai emmené, il avait 3 ans et j'ai commencé à pêcher avec lui. Ici c'était surtout le maquereau.
et on mettait des casiers, les casiers homards. Donc le plaisir, c'était de bêter les casiers, d'aller chercher les casiers le lendemain matin, et il venait tout le temps avec moi. Donc je lui ai fait une petite canne et tout, il était heureux de sortir un ou deux maquereaux. Ben, ça a commencé comme ça. Mais après, l'élève a dépassé le maître. Et puis, voilà, maintenant c'est lui qui m'entraîne. Pierre, vous avez commencé à pêcher dans vos rivières de Bretagne. Oui, dans les petits cours d'eau, pas loin des sources. Mais ce temps-là est passé. Il y avait encore des eaux pures à l'époque. Et on pêchait la truite, quoi. Mais avant la truite, je pêchais le verron avec des petites épingles de couturière et un bout de fil. Et un morceau de coudrier en guise de canne. Là, on avait peut-être 7-8 ans à l'époque. Ce matin-là, je l'ai trouvé acheté en occasion en morceaux dans une cache chez un pêcheur de métier. Il l'avait démonté, mais il n'a jamais vu le remonter, alors je l'avais acheté. Et moi, avec la notice technique, ben, je l'ai remonté. Puis après, j'ai acheté un Doris. Doris en bois, j'ai remonté. Et j'ai commencé comme ça, en 64. L'empreinte des Vikings se retrouve sur un vaste territoire qui s'étend de la Normandie à l'Angleterre. L'État indépendant de Jersey, bien que rattaché au Commonwealth britannique, occupe une place bien moins anecdotique qu'il n'y pourrait paraître. Par exemple, aux Écréous, à quelques encablures de Carteret, on est sous juridiction jerseyaise. À l'époque de la Normandie indépendante et glorieuse, à la suite de Guillaume le Conquérant, etc., les Carteret étaient une grande famille de Normandie qui avait, parce que c'était le même pays, qui avait ses terres ici et ses terres dans les îles. Et avec le rattachement, ou plus exactement la reprise de la Normandie par les rois de France qui se sont terminés avec l'épisode Jeanne d'Arc, on va dire 1450 pour simplifier, Les Carteret, eux, ont dû opter et ont gardé leurs terres dans les îles et ont abandonné leurs terres sur le continent. Mais il faut bien comprendre que dans cette histoire-là, les îles Jersey et leurs dépendances et ses dépendances, et Guernesey et ses dépendances, sont les seuls territoires qui restent dans l'autonomie et dans l'indépendance qui restent de l'ancienne Normandie. La Normandie continentale est, bien évidemment, et personne ne le conteste, sous autorité française, alors que les îles, elles, sont toujours régies par le droit normand. Alors les Écréous ? Alors les Écréous, eux, font partie de... C'est un groupe rocheux qui se situe à mi-route entre Carteret et Jersey, entre Carteret et le petit port de Gorée à Jersey. Avant qu'il y ait des... Au Moyen-Âge, et bien après le Moyen-Âge aussi, il y a toujours eu des gens, on va les appeler des ermites sur les îles. Alors ce fut des moines. Il y avait une petite congrégation qui dépendait du Val-Richer à Lisieux, une petite congrégation de 7 ou 8 moines qui étaient là. Ils étaient chargés d'entretenir une balise pour les mariniers, spécifie le texte. Donc ça nous remène à 6 siècles. Et puis les temps ont passé, les moines ont disparu des Écréous. Il y a eu de place en place des personnalités diverses qui ont voulu séjourner sur les Écréous. Il y a eu Édouard Pinel au siècle dernier qui a été 60 ans, c'est beaucoup. Pour un petit îlot comme ça, qui à marée haute fait 25 mètres sur 35, et à marée basse 2 km sur 3. Et puis plus récemment, pendant 13 ans, il y a eu Alphonse le Gastellois qui a défrayé la chronique locale, qu'elle soit Jersey ou Carteretaise, et c'était tout un poème, cette histoire-là. Et il est toujours en vie, cet Alphonse le Gastellois, il a 83 ans maintenant, il est toujours à Jersey. Il a été écœuré un peu par la société et il est venu ici se réfugier pendant... Moi, j'ai connu au moins pendant 13 ans qu'il n'est pas sorti d'ici du tout, du tout. Et il avait
revu les vieilles lois normandes, jerseyaises, je sais pas quoi, qui prétendaient pouvoir être le roi des écrivains après avoir vécu pendant 13 ans ici. Mais bon, ça n'a pas été reconnu, et puis il est parti à cause d'une maladie, il est parti se faire soigner à Jersey, et il n'est pas revenu depuis. L'hiver, c'est formidable. On voit par exemple ce que vous avez derrière ici, on voit la mer qui passe par-dessus les maisons, par-dessus le groupe de maisons, les galets qui passent par-dessus, il faut se barricader dans les maisons pour être à l'abri, quoi. Et ça, vous adorez ça ? Ben, j'aime ça, oui. Oui. C'est particulier. Ça se mérite. C'est très dur. La nourriture, l'eau, le gasoline pour le bateau, tout. Porter everything. We have to carry everything. C'est difficile, mais vous aimez quand même. J'aime beaucoup le petit île et le petit maison. Si vous désirez d'aller en Sud-Afrique, en Australie, ça y est, vous allez à Londres, vous prenez l'avion, tout de suite, vous êtes parti. Mais si vous voulez venir les écrire, c'est pas si facile. Vous comprenez bien ça, hein? C'est dangereux, hein? Ah, autrement, c'est pas, il n'y a pas des bateaux qui viennent tous les jours. Non? J'aime mieux venir ici qu'aller en Espagne ou des choses comme ça, ça ne m'intéresse pas. On est plus tranquille ici, c'est unique, quoi. Il faut venir plusieurs fois pour vraiment connaître un tout petit peu. Il y a une passe principale hein, pour l'entrée des écrivains et qui nous amène sur un site où il y a un fond sableux. Et après, vraiment, il faut savoir un peu naviguer parce qu'il y a des têtes, c'est pas celle qu'on voit en réalité, c'est celle qu'on voit pas. Hein. Et donc, nous, ce qui nous concerne, c'est surtout la pêche. Donc, on prend surtout les dérives et on se laisse dériver. On marche très très peu au moteur, on rectifie vraiment à la dernière minute. Quoi. Mais sinon, il faut faire vraiment attention. Hein. Sinon, il y a plus d'un bateau qui s'est fracassé, aussi bien des petits que des gros. Hein. Ici aux Écréaux, il y a des profondeurs très variables. Est-ce qu'il faut s'adapter au niveau pêche ? Oui, tout le temps. C'est pour ça qu'on est monté généralement avec un émerillon, ce qui permet de changer relativement très vite de leurre, de passer du leurre plongeant au leurre de surface, suivant les profondeurs rencontrées, hein, qui vont de 30 cm jusqu'à 7, 8, 10 mètres d'eau. Bon, on vient de se fracasser pas encore par un beau poisson. Ça fait que deux fois aujourd'hui, hein, jamais 203. Alors, on perd pas le moral. Je reprends à l'heure, puis on recommence. Attaque. Tirage. Pareil, hein. Bon. Même principe, hein. On va essayer de pas trop traîner avec lui, parce que juste là, il y a encore un pan de roche là, qui arrive à 20 mètres. Voilà. Un peu plus gros que tout à l'heure. Hein. Au super spook. Bon, c'est un carnassier et il est un petit peu gauche, hein, assez maladroit. Donc quand il attaque un leurre de surface, bien souvent on est obligé de stopper le leurre pour qu'il puisse vraiment l'engamer. Hein. Car bien souvent avec la petite dépression qu'il crée derrière le leurre et la vitesse, il tape dans le leurre et il se pique très très mal.
Entre autres, bon, on a eu l'occasion de faire homologuer 5 poissons qui ont battu des records du monde, mais ce n'était pas du tout la finalité de la pêche. C'était un plus. Donc on a fait un bar qui dépassait les 10 kilos et on l'a fait homologuer, hein, entre autres. Sur un fil de... Sur un fil de 28 centièmes. Hein. Toutes les façons de la pêche au bar sont intéressantes. Moi, c'est vrai que c'est la façon qui m'intéresse le plus, la pêche au lancer, voire à la mouche, quand le vent est vraiment absent. Mais plein de techniques sont mises en route pour pêcher le bar, hein, telles que la pêche à la traîne, par exemple, la pêche au paillot, les gens qui les pêchent du bord, la pêche en surf casting. Donc il y a vraiment toute une gamme d'outils pour pouvoir pêcher le bar de toutes les façons différentes, que ce soit du bord ou en bateau. Des roches qui sont vraiment énormes de partout, ce qui fait que les bateaux ont du mal à accéder sur cet archipel. Maintenant, pour l'avenir, moi je suis plutôt serein. Il y a beaucoup de stocks de petits bars, on le voit nous toute l'année à travers nos sorties. Maintenant, on va essayer de faire en sorte de façon à ce que ça puisse durer vraiment très très longtemps. Ça demande quand même que le pêcheur ait une certaine sagesse. Oui, je pense qu'il faut rester déjà humble par rapport à ces captures. Et essayer vraiment de gérer cette pêche vraiment au mieux, essayer de relâcher les prises qui déjà ne font pas la taille, ce qui me paraît évident. Et puis après essayer de se gérer soi-même, mais ça c'est autre chose, mais ça regarde un petit peu tout à chacun.